Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tuto. Aujourd'hui, l'utilisation des FOXIN en Mirage 2000 et surtout, comment maximiser les chances de garder un lock radar. Pour illustrer ce tuto, un petit combat BVR contre un SU-27 équipé de R-27 ER, tiré quasiment à la même distance que les Super 530. Donc on va tous les deux pour avoir un range de 20 nautiques environ sur le premier tir. Nous allons voir d'abord la vue cockpit sans commentaire et ensuite un petit débrief stack view avec les commentaires. Allez, c'est parti pour un premier engagement. Premier engagement. Alors, je commence le tag view déjà à 36 nautiques au moment, juste avant, on va dire, que je verrouille la cible. Je verrouille la cible, prise d'altitude. Je vais placer le réticule de visée sous l'horizon, ce qui va me permettre d'avoir environ 2000 pieds d'altitude de différence par rapport à la cible. C'est pas grand-chose, mais j'aime bien tirer mes missiles dans des conditions avantageuse, donc être au-dessus de la cible, mais pas trop, puisqu'après il faudra placer la cible au-dessus de l'horizon, et ça permet de gagner un petit peu de vitesse, en tout cas au missile. 24 nautiques, je continue à monter, voilà, montée stabilisée. J'attends d'être à distance pour tirer. dix-neuf nautiques, dix-huit nautiques, voilà. Nous tirons tous les deux quasiment en même temps, je tirais légèrement en avance. Une fois le tir effectué, je crank et je descends avec une pente d'environ moins 20 degrés. Je fais un crank 30 degrés pour toujours être agressif sur le bandit et garder le lock radar. On constate d'ailleurs que le bandit fait exactement la même chose. Tir de missile et un crank de 30 degrés. Mais la différence, c'est que lui reste dans le plan et moi je descends. Ça va me permettre de gagner de la vitesse et de toujours le maintenir au niveau du ciel pour le radar qui ait le moins de perturbations possible au niveau du radar et maximiser mes chances de garder le lock. On voit que son missile vient d'être dragué une première fois par les chefs, mais qu'il a repris le lock par sa trajectoire.
Mon missile continue sa route vers le bandit qui, lui, commence à descendre pour récupérer de la vitesse, tout en larguant les chaffes. On voit que le missile ennemi va me passer derrière grâce à la vitesse que j'ai pu récupérer pendant la descente. Le crank, le léger piqué et les chaffes ont fait son travail, ont fait leur travail. Mon missile, quant à lui, a toujours de l'énergie, a été un petit peu dragué, mais a repris la direction du bandit. Et grâce à son énergie accumulée, est capable de faire des changements de trajectoire assez brusques et d'atteindre la cible. Et on voit le second tir, juste avant moi, où le bandit a été abattu. Voilà pour le premier engagement. Le second engagement. Là, on a vu les faiblesses du radar du 2000. Alors, j'ai placé le Tagu déjà en position de premier tir missile. Donc, on est comme tout à l'heure. 19 nautiques, 18 nautiques, premier tir de missile de la part des deux adversaires. Et toujours, moi, le crank, 30 degrés, moins 20 degrés de pente, et on largue des chaffes. L'adversaire fait pareil, mais cette fois-ci du même côté que moi. Toujours, lui, dans le plan, avec une légère descente, vraiment légère. Et moi, déjà en bonne descente. Lui remonte. Et là, on voit que le missile a été dragué. Le missile ennemi a été dragué une première fois par les chefs. En plus, je pense qu'il a perdu le lock avec l'angle qu'il a pris. Malgré que on voit que le missile a l'air d'avoir repris du poil de la bête. Mais c'est comme tout à l'heure, j'ai trop de vitesse.
Il a été dragué, c'est foutu pour lui. Mon missile, quant à lui, commence à perdre beaucoup de vitesse, et le bandit, en plus, a pris un cold par rapport à moi. Il a plus qu'un Mach 40. Et mon missile est mort. Le bandit n'a plus de menace, va pouvoir faire demi-tour, et moi j'en ai profité pour tirer mon deuxième missile. Et là on voit, j'ai perdu le lock. Pourquoi? Perte d'accroche, le bandit notch. Perte d'altitude, plus perpendiculaire, à mon avis. Et en plus, le radar a des interférences avec le sol. Et mon missile est mort. Voilà pourquoi, pour maximiser les chances de garder un lock, il faut absolument que la cible soit le plus possible au niveau du ciel. Dernier engagement, on reprend pareil. À 20 nautiques, même technique, prise d'altitude, tir de missile, crank, léger piqué. On va voir ce qui va se passer au niveau du bandit. Je tire mon premier missile exprès un petit peu plus tôt pour être sûr qu'il ne va pas atteindre sa cible. Je veux pouvoir l'abattre sur le deuxième missile avec des paramètres optimaux. Je commence déjà à larguer mes chaffes. Et le bandit tire à son tour. Nous sommes dans les mêmes conditions que l'engagement précédent. Nous crankons tous les deux du même côté. Moi je descends, lui il reste sur le plan. Mon missile parfaitement guidé. Le sien également pour le moment. Et voilà. Premier drag du missile. Mais je pense que lui il a perdu le verrouillage radar. Donc là, son missile est mort. On voit que le mien continue à aller sur sa cible. Encore pas mal d'énergie, mais lui, passe cold. Et là, du coup, mon missile n'a plus assez d'énergie. On voit que moi, je suis toujours plus bas que lui et que mon radar garde toujours un lock au niveau du ciel. Donc là, aucun souci de verrouillage du radar. Mais malheureusement, mon missile a été tiré trop tôt. Il n'atteindra jamais sa cible.
Position toujours idéale pour un 2000. L'adversaire est dans le ciel. Je me mets à distance de tir. Et boum. Missile, crank, 30 degrés. Descente en piqué, moins 20 degrés. Le bandit tire à son tour, mais il est déjà trop tard pour lui. J'ai tiré avant lui, on est dans la zone des 10 nautiques, voire moins de 10 nautiques. Les foxins ont grande chance de faire leur kill. Et là, son missile, par contre, et ses primes échappent directement. Son missile est mort tout de suite, dès le départ. Je pense qu'il a perdu le lock. Son missile est mort, et le bandit aussi. Et voilà. J'espère qu'avec ces trois engagements, vous avez vu les avantages et surtout les faiblesses du radar du 2000. Toujours garder la cible autant que possible au niveau du ciel pour éviter toutes les perturbations au niveau du radar. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour un nouveau tuto. Salut, salut!